Come and take this heart while I'm away, 'cause I want you to hold it, babe. I know that you keep it safe. When I'm way too far, far away, a stranger in a different place, Lord knows I miss you, babe. I swear the highs ain't high enough, God knows the lows won't let me up. The space and time between you and I, I'll never leave you in the dust. Foreign skies and open roads, the only place that I call home is in your arms and in your eyes, where I belong. And I don't know how, don't know when, someday I'm gonna see you again. And I don't know how, don't know when, someday I'm gonna see you again. It with sugar and cream, or do you take it straight or just like me?
Yeah, lately it's been hard. They're selling me for parts, and I don't wanna be modern art, but I only got half a heart to give to you, and I hope it's enough. How can you miss someone you've never met? Cause I need you now, but I don't know you yet. But can you find me soon, because I'm in my head? Yeah, I need you now, but I don't know you yet. I need you now, but I don't know you yet. You now, but I don't know you yet. I need you now, but I don't know you yet. I need you now, but I don't know you yet. Comment ça va? C'est quoi vos noms? Bon, vous êtes allé au camp Elfi cette année. Est-ce que vous avez aimé ça beaucoup? Oui, j'ai aimé ça, moi aussi. Super. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Moi, c'est la piscine. La piscine. Et les moniteurs, le fun? Oui, c'était fun. Est-ce que vous savez quel moniteur devrait avoir le chapeau d'or que vous avez aimé le plus? Maxime. Maxime, wow. Pourquoi Maxime? Oui. Pourquoi Maxime? Vas-y, dis-moi qu'est-ce que t'aimes. Moi, j'aime le chapeau d'or. Mais on a jamais c'est vu bon. Le chapeau d'or. Fait que vous pensez qu'il est le fun, c'est ça? Oui. Bon. Tu savais que Maxime, il fait de la magie, puis quand il fait de la magie, il y a les boules à la balle, puis il y a le revenu là-bas. Wow, ok. J'aurais voulu faire ça. Super. Bon, ben dites bon été au moniteur. Bon été. À l'été prochain, bon peut-être. À l'été prochain, peut-être. Salut, bye. Vous adresser un petit mot pour souligner le travail exceptionnel que vous faites tout l'été en permettant aux jeunes inscrits au camp de jour de vivre un été enrichant et amusant. Nous apprécions les activités et d'avoir gardé nos enfants sains et saufs cet été. Nous voulions en profiter pour féliciter tout particulièrement Anita Maria Toro, qui s'est démarquée par les activités spéciaux et originales. Nous sommes fiers d'avoir été choisie pour lui annoncer qu'elle est en nomination pour le prix de Recrue d'or 2020. Bonne chance! Allô à tout le monde du Calfi! Allô, c'est nous les Tartifs! On voulait souligner le travail exceptionnel de l'équipe de Calfi Dorval Jean Dendroit cette année. On a eu grand plaisir. On a été accueillis de façon chaleureuse tous les jours. Les enfants ont adoré toutes les activités. Ils nous racontaient le soir et chantaient des chansons. Un milieu sécurisant. Avec toute cette pandémie, on a été mis en confiance, nous, comme parents. Alors, c'est à nous qui revenu l'honneur de pouvoir nommer Elisabeth! Amen! Yeah! Et Elisabeth Hamel pour le prix du chapeau d'or cet été. Elle a été spécifiquement nommée pour sa candeur, sa patience, sa passion, sa capacité à avoir créé des liens exceptionnels avec les enfants qu'elle accompagne et avoir transmis aussi sa passion et en étant un modèle pour tout le membre de l'équipe. Alors, bonne chance à toi, Elisabeth. Nous, on continue notre randonnée de vélo. À plus tard! Bye! Bye! Alors, bonjour tout le monde. On veut remercier tout le monde qui a travaillé de loin ou de proche au camp Elfi Beaubois pour l'été 2020. Beau temps, mauvais temps, pluie, mauvaise journée, bonne journée. Vous étiez là avec le sourire à vous donner 110%. Merci d'avoir été aussi exceptionnel. Merci d'avoir mis des étoiles dans les yeux à nos petits garçons malgré ce temps de pandémie, ce temps d'incertitude. Merci d'avoir été des anges gardiens pour avoir donné une certaine normalité à nos petits mousses qu'on aime.
Alors, pour son énergie débordante, sa volonté de repousser les limites, son amour pour les enfants, son aide précieuse avant, après et pendant. Tout le monde tambour. Bonjour la gang, merci beaucoup, merci d'avoir pris soin de nos enfants, de les avoir amusés, divertis, énergisés durant tout cet été-ci. 2020 est une année plus que particulière avec 3 mois de confinement, vous êtes arrivés juste à temps. Donc Béatrice, de bonne humeur depuis la première journée du camp. Béatrice, qu'est-ce que tu as aimé du camp toi? La science, les dessins, les galas, puis le cirque et les grimaces. Donc, merci beaucoup d'avoir pris soin. C'est du plus profond de nos cœurs qu'on vous remercie de nous donner cette opportunité. Puis félicitations à Hugo Lapointe pour ta nomination pour le Chapeau d'or 2020. Béatrice nous a dit que tu étais très dynamique, tes spectacles de gala étaient très bons, ton énergie est contagieuse. Bravo! Hello, la gang d'être pire! Bonjour, nous interrompons notre petite vacance hawaïenne pour un merci tout spécial au 4 jours d'Édouard Montpetit. De plus, nous voulons souligner le travail de motivateur exceptionnel de Marc-Olivier Cyr. Il a été noté son aisance et sa polyvalence, son surpassement exceptionnel. De plus, il paraît qu'il a des thématiques et des costumes très originaux et inspirants. En plus, la passion qui l'habite met des étoiles dans ses yeux et les transmet aux enfants. Pour l'ensemble de son œuvre, Marc-Olivier Cyr se voit le grand gagnant 2020 du Chapeau d'or. Bravo! Salut, c'est moi, Yann Damour, du camp de vacances Edfi, ainsi que ma collègue Mila. Vous le savez, le camp de vacances cet été était fermé. Par contre, ça ne nous a pas empêché de faire beaucoup de revitalisation sur le terrain. Aujourd'hui, je suis très fier de présenter le prix recrue d'or de l'année à mes deux préposés en or parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pendant tout l'été depuis le début à offrir une expérience camp de vacances extraordinaire pour les prochaines années et les prochaines saisons. Cédric Paradis-Piché, Lilian Felenc, vous êtes mes deux superstars. Bravo. Grâce à vous, j'ai passé un super bel été. Grâce à votre attitude positive, à vos compétences extra-animation, ben, on fait du camp Edfi un camp extraordinaire pour l'année prochaine. Guys, merci. Tu connais un peu le Chapeau d'or, parce qu'on vient de les présenter. Tu connais-tu le Ballon d'or? Non. Est-ce que tu veux que je te l'explique? Je sais pas. Le Ballon d'or, c'est un prix en fait rassembleur pour un projet qui implique autant les familles, les enfants, qui implique aussi le personnel. Okay. Habituellement, les équipes travaillent pas fort à mettre sur pied en fait un projet qui leur tient vraiment à cœur, mais cette année, le projet nous a été imposé dû à la ah oui, c'est vrai. Exactement. Donc, en fait, je pense que c'était important. Ben, en fait, le projet, en fait, c'était d'ouvrir nos camps de jour, premièrement, et aussi de s'assurer que les jeunes soient en sécurité, mais autant, qu'il y ait autant de plaisir aussi pendant les 8 dernières semaines. Donc, je pense, comme on a vu dans les vidéos, les parents, on doit remercier ces équipes-là pour leur dévotion, l'implication, puis le fait qu'ils ont vraiment fait vivre l'expérience camp aux enfants. Mais il y a une personne qui était vraiment chef d'orchestre de ce projet qu'on a nommé cet été affectueusement la police de la COVID. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on remet le prix de Ballon d'or à toi. Mais non, mais non, pour vrai? C'est vrai, là? Oui, c'est vrai. Mais non, vous me niaisez? Non. Mais non, pour vrai. Thank you.